Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où on va parler des douleurs au dos et douleurs cervicales. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir en coaching avec le mal de dos et le mal de cervical. Donc, le mal de dos, c'est courant, le cervical, ça devient de plus en plus courant. Donc, je vais vous montrer les genres d'exercices que je leur fais faire et qui marchent sur eux. Alors, je dis pas que ça va marcher à tous les coups, hein. Si jamais ça marche pas sur vous, ça vaut le coup quand même d'essayer, mais si jamais ça marche pas sur vous, bah, allez voir bien sûr un vrai professionnel de la santé qui va vous aider à soigner ce problème. Là, je vous parlais de choses assez courantes. Pourquoi on a mal au dos, le dos et les cervicales. Alors, le mal de dos, souvent, ce qui va se passer, c'est parce qu'on est souvent en position assise, souvent sédentaire, avachi dans le canapé, avachi sur un fauteuil. Donc, le dos, ce qui se passe, il est complètement enroulé, on est écrasé et tous les muscles posturaux du dos ne fonctionnent plus. On ne travaille plus la posture. Donc, on est toujours ici. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, le dos va se relâcher, tout va se relâcher et donc les douleurs lombaires vont arriver. Ce qu'il faut faire, c'est assez simple, ce qu'il faut faire, c'est retravailler cette posture. Donc j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur les bases du pilates. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que ça peut vraiment vous aider sur le travail du gainage, où le pilates va vraiment travailler le gainage et la posture dans tous les cas. Donc là, en fait, l'idée, c'est améliorer cette posture, c'est-à-dire essayer de retrouver une position droite, les épaules en arrière, fixer les omoplates, chercher à bien s'agrandir et renforcer les spinaux, les muscles de la colonne vertébrale qui vont rééquilibrer le dos avec un exercice qui est vraiment bien, c'est à plat ventre justement. On va chercher à s'agrandir le plus possible, on tend les jambes en arrière, on sort la poitrine, on fixe les omoplates et si on est à l'aise, en plus dur, on va tendre les bras loin devant pour augmenter la difficulté sur les lombaires. Donc ça, c'est un super exercice pour vraiment renforcer toute la zone du dos en respectant sa courbure en plus. Donc c'est important de bien tendre les jambes, c'est surtout pas chercher à lever les jambes le plus haut possible. C'est chercher à les tendre et chercher à s'agrandir. Deuxièmement, il faut équilibrer, d'accord? Le dos, c'est un peu comme une articulation où il peut y avoir des déséquilibres musculaires. Souvent, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a une partie du corps, par exemple le dos, qui va être trop fort par rapport au gainage. Ou plutôt, le gainage qui est vraiment trop faible. Parce que là, le dos, on va travailler moins en moins, mais là, le gainage ne travaille pas du tout quand on est avachi. Donc, le muscle du dos, qui travaillent quand même pour éviter de vous effondrer complètement, donc ils vont quand même travailler, et là par contre le gainage ne travaille pas du tout. Donc il faut absolument travailler cette partie-là, le gainage aussi. Donc le gainage, vous connaissez, encore une fois la vidéo de la semaine dernière, il y a plein d'exercices de gainage intéressants. Il y en a un qui est courant, c'est le gainage sur les coudes. On va chercher toujours l'extension complète pour le travail de posture aussi, toujours l'auto-étirement. On cherche à bien s'agrandir pour renforcer donc tous les muscles de la colonne vertébrale qui vont nous rééquilibrer. Donc ça va être important et donc travailler le gainage ventral, on rentre bien le ventre, on garde ce ventre rentré, donc le plancher pète bien, le bas du ventre, le nombril, on rentre tout le ventre et on maintient cette position pour avoir un ensemble abdominal fort. Le gainage est reconnu hein, pour le ventre plat, mais surtout connu pour la posture, pour l'amélioration de la santé. Donc faites du gainage. Après, un petit test qui est vraiment bien à faire, c'est testez-vous sur 30 secondes en gainage sur les coudes et testez-vous sur 30 secondes en la position sur le ventre. On va chercher à fixer les omoplates, j'ai entendu. Regardez les deux. Si vous voyez qu'il y a une grosse différence sur un exercice sur l'autre, ce qui est très courant par exemple, c'est la position sur le ventre, fixer les omoplates, j'ai entendu. Beaucoup de gens trouvent ça très facile sur 30 secondes. Par contre, le gainage sur les coudes, ça 30, c'est extrêmement dur. On ne tient même pas les 30 secondes. Donc là, ça confirme qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un gros déséquilibre musculaire entre la chaîne postérieure et la chaîne antérieure. Donc là, il faut travailler vraiment beaucoup plus le gainage ventral. Il ne doit pas avoir un écart. Donc vraiment, si vous tenez 30 secondes facile comme ça, même en tendant les bras, c'est encore plus dur. Si vous tendez les bras devant, vous tenez les 30 secondes. Et en gainage sur les coudes, vous tenez à peine 15 secondes, 20 secondes, c'est qu'il y a un gros déséquilibre. Travaillez le gainage ventral. Donc travaillez ça en respectant toujours le maintien du bas du ventre rentré, et je vous assure que très rapidement, vous allez sentir que le dos, vous allez vite être soulagé. C'est simple, au pilates, en fait, je fais que du travail de posture comme ça et de gainage. On va chercher toujours auto-agrandissement et travail de gainage, et j'ai des résultats vraiment impressionnants sur les douleurs de dos qui diminuent. Deuxièmement, l'exercice pour les cervicales. Les cervicales, c'est un peu pareil. On va être toujours dans la vie courante, on va être stressé, on a froid, on est sur un ordinateur comme ça, les épaules enroulées, donc le cervical travaille toujours. Tous ces phénomènes de la vie font que les trapèzes vont toujours travailler et les muscles inférieurs, c'est encore une fois, c'est un déséquilibre musculaire. On a le trapèze ici et le trapèze en dessous, c'est un autre trapèze, le trapèze supérieur, le trapèze inférieur, donc la partie en bas, qui travaille plus. D'accord? Donc les omoplates sont toujours en train de monter, donc cette partie-là va être trop forte par rapport à la partie abaisseur des omoplates. Donc ce qu'il faut faire, c'est combler à ça, c'est-à-dire travailler plus
les muscles qui vont chercher à abaisser les omoplates. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est chercher à abaisser ces omoplates-là. On va chercher à les abaisser, à les rentrer, comme si vous voulez descendre les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et on va travailler en muscu sous forme d'exercice de musculation avec un élastique accroché en hauteur. Et on va chercher à tirer les coudes vers le bas et surtout les omoplates vers le bas pour travailler le grand dorsal et justement les abaisseurs, les muscles abaisseurs des omoplates pour soulager les trapèzes. Plus ces muscles-là vont être forts, plus les trapèzes vont se détendre et ça va clairement soulager les douleurs au cervical. Parce que les trapèzes vont s'accrocher jusqu'ici, c'est ça qui va provoquer des douleurs au cervical. Dans une majeure partie des cas, je le vois de plus en plus souvent dans les cours et c'est ce que je fais comme exercice et c'est pareil, ça marche vraiment bien. Ce qui est très important, donc c'est avec l'élastique hein, ou les tractions, prendre une barre pour faire des tractions, sauf que là ça demande quand même beaucoup plus de force. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment comprendre ces épaules qui descendent. Souvent quand on fait des tractions, les gens vont faire ça. Ici les épaules montent et on va se redresser. D'accord ? Ici, là. Là on n'est pas du tout sur les abaisseurs des omoplates, les épaules elles montent encore une fois, on est encore sur les trapèzes. Donc c'est important de prendre une barre, des élastiques, hein, selon la force que vous avez. On descend, je sors la poitrine, je descends les épaules, je descends les omoplates, je tire les coudes vers le bas, je stabilise, je reviens. D'accord? Faites ces exercices-là en cherchant bien à abaisser les omoplates et je vous assure rapidement, vous faites ces exercices, l'exercice de gainage, vous pouvez le faire tous les jours. D'accord? C'est vraiment bien tous les jours. C'est pas la peine de faire une heure, hein. Vous faites le gainage ventral, le gainage lombaire, vous vous accordez 3 minutes par exemple, vous vous alternez 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. S'il y a des équilibres musculaires, ce qui est souvent le cas, faites 3 à 4 fois plus de gainage ventral que le gainage lombaire. D'accord? Faites un gainage lombaire pour 3 gainages ventrales. Faites ça 3 minutes tous les jours en alternant, pas 3 minutes statiques, 30 secondes d'un côté. Voilà, vous alternez par phase de 30 secondes pour être concentré sur le gainage et vous chercher des positions de plus en plus dures. Je ne suis pas pour les positions statiques 3 minutes. Je ne suis pas pour du tout, ce n'est pas intéressant parce que dans la vie de tous les jours, on est rarement, on n'est jamais en gainage statique, on est toujours en mouvement. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ça. Donc c'est pour ça que je suis plus sur le gainage 30 secondes qu'on va chercher à rendre de plus en plus dur en bougeant les bras, les pieds, en mettant les mains sur un ballon, un truc comme ça, qui va vraiment renforcer votre gainage. Et pareil, pour le dos, faites ça plutôt tous les deux jours en série de 3-4, 3-4 séries. D'accord? Prenez une minute de repos, c'est bien. Même 2 minutes de repos, le but c'est vraiment chercher à réveiller un peu les muscles qui vont abaisser les omoplates. D'accord? Là, je ne cherche pas à vous faire prendre la masse musculaire, c'est plutôt soulager les trapèzes. Faites ces exercices-là tous les deux jours à peu près, en cherchant à bien abaisser les omoplates en série de 10 à 15 répétitions, pour bien chercher à réactiver ces muscles-là. Et vous allez voir, en une voire deux semaines, vous allez sentir réellement un mieux qui va vraiment apparaître. C'est rapide. Hein. Donc, et ça marche pas, bien sûr, encore une fois, c'est peut-être un autre problème, là, il faut aller voir un professionnel de la santé. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Testez ces exercices et si vous voulez tester si ça marche, faites-en voir dans les commentaires. Parce que je sais que ça marche, je le fais sur tous mes coachings, sur tous les adhérents, je fais beaucoup de genre d'exercices, ça marche, c'est vraiment efficace. Donc n'hésitez pas à les tester et faites-en voir dans les commentaires des résultats que vous avez. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.